بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد من خير من سكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهم شاء الله رب العالمين في نغيف لو 8e session concernant l'explication en bref لو تلاك nous pouvons apprendre لو كسانا سوتالا par compté كسانا سوتالا par compté et nous déjà finir apprendre concernant celui qui fait une PAJ sur la tête, nous finit apprendre concernant celui qui les donne l'état sous les ongles, quand il parle, qu'il peut faire, ce talab pas compté. Celui qui ce talab pas compté encore, c'est celui qui est faussé pour le talab, une faussée pour le talab, et celui qui donne l'état des colères extrêmes, quand il fait une PAJ sur la tête, comme on dit, il parle, qu'il peut faire. Et aussi, nous finit apprendre concernant le talab de celui qui est encore petit. Ce talak n'est pas compté. Et nous finissons par nous concernant celui qui donne talak à une petite fille avant même qu'il ait fait marier avec lui. Ça, c'est même quelque chose qui nous finit par prendre. Ça va dans ce talak n'est pas compté. Parmi les gens qui ont talak pas compté, c'est celui qui fait serment pour donner talak. C'est lui qui fait serment pour donner talak. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite hier, celui qui fait serment pour donner talak sans qu'il y ait l'intention pour réaliser sa talak là. Écoute-lui bien, mon frère, mon sœur qui est imam, celui qui fait serment pour donner talak mais sans qu'il y ait l'intention pour réaliser sa talak là, ça lui est considéré comme un serment. Donc, si arrivé, il fait un serment, il lui donne un talak, ensuite il fait une contre, et pas qu'il a l'intention pour faire lui, ensuite il fait une contre-dire à ce serment-là, là il rentre un autre, d'un autre côté, ce qu'il appelle, il fait une casse, un serment, quand il bizarre et l'expiration pour lui, il nourrit du sport, ou bien il habille d'un autre linge, ou bien il libère un esclave. Mais tout ça là, il retourne de sa phrase-là, il n'est pas qu'il a l'intention pour lui donner un talak. Parmi celui qui se talak, n'est pas compté, c'est celui qui fin suspend ce talak ou une petite chose. Mais toujours, n'est pas dans ce et dans ce généralité, il n'a pas une condition. Suspend talak, une petite chose, c'est qu'il y a dans l'islam. Si par exemple, un djimoun nidja avec un michel nidja avec son madame, si tu mets ton pied dans un tel sur la case, connaît ton bien tout à l'heure. Donc, tant qu'il sera madame là, il n'est pas fini de faire sa action là, il n'est pas peine à tout à l'heure. Mais si arrivé, il est fini de faire sa action là, il ne contredit sa Michel là, il finit de rentrer dans la case, quand il est en plus, il rentre, pas sa tout à l'heure, il finit de s'espagne là, alors là, il nous dit que sa tout à l'heure, il est compté. Donc, c'est, nous prenons conscience de celui qui finit de suspendre sa tout à l'heure pour une petite chose. Cheikh Ahmed al-Najmi, Rahimahullah, dit hier, si les filles n'ont l'intention d'un talab, si les filles le contraire de sa promesse, talab a lui compté. Quand les filles disent sa parole là, si tu mets les pieds, côté un tel, pour un talab, et il dit mini, parce que l'intention, il dit ça même, alors si ça finit d'arriver, ça talab a lui pour compter. Mais si pas tu n'as l'intention d'un talab, mais les filles, faire sa petite chose là, il dire sa parole là, pour faire sa madame là, guimper, c'est-à-dire, son intention c'est incite-lui pour faire ou abstenir d'une petite chose à travers sa talak là, qu'il finit suspendre là, alors ça lui compte quand même serment. Lui compte quand même serment, et lui bise un pays, un kafara pour ça, comme nous finit apprendre concernant kafara, quand même dit mon nikasso serment. Alors ça c'est en bref comment nous dire ça cas en particulier et quand arrive une question pareille ce qui gagne du pénal doute concernant notre étudier ça notre étudier ça nous pas fait de jugement pour notre étudier c'est simplement le pénal doute une petite idée ça sujet là alors se retourne avec ban qui a connaissance ban qui pourra pas comprendre de situation afin qu'ils se portent un jugement dans ce qui finit arriver alors Allah lui connaît meilleur sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.